bienvenue, chers amis Lyon, pour la lecture des énergies du mois de décembre 2021. Nous allons regarder ici le message général. On va essayer de comprendre un petit peu quel est le message que la vie souhaite vous transmettre. Puis, dans un deuxième temps, je ferai un autre tirage pour recouvrir ces arcanes, pour voir quels sont les conseils du tarot par rapport à ce message. À la fin, je ferai le tirage de deux oracles qui nous donneront des indications par rapport à ce message-là sur votre vie générale, enfin un conseil général, et un autre relatif à votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale plus largement. On voit que pour vous, chers amis Lyon, on est avec un as de bâton. As de bâton nous dit quoi? Nous dit qu'il y a un nouveau départ. Ici, vous avez envie, en tout cas, il y a dans votre mois de décembre, quelque chose qui se présente à vous et qui est nouveau. Il y a un potentiel de nouveauté, il y a un potentiel de changement et d'initier quelque chose, de passer à l'action. Parce qu'oubliez pas que les bâtons représentent bien l'action, le passage à l'acte. Mais quelque chose qui est assez passionné, où on peut ressentir une certaine sensualité. Hein. Vous voyez bien ce côté phallique de ce as de bâton. Et on voit qu'ici, la vie va vous offrir ce nouveau départ, une possibilité d'initier quelque chose de manière différente. D'initier quelque chose qui est nouveau, mais nouveau dans quelque chose qui existe déjà. Puisqu'on a ici le 5, c'est-à-dire le pape. Le pape, vous savez très bien, nous indique qu'on est dans quelque chose qui est là sur le long terme, quelque chose qui existe là depuis longtemps. Si on est dans le domaine de la vie sentimentale, ça peut être un engagement qui dure depuis un certain temps, ça peut être un mariage, ou ça peut être, si on est dans le monde professionnel, un contrat à durée indéterminée, ça peut être un engagement avec une entreprise assez importante. Donc ici, ce nouveau départ, cette initiation de ce quelque chose est lié, vraiment lié à ce fameux pape, c'est-à-dire à un engagement. Donc à mon sens, soit il y a un nouveau engagement, donc il y a quelque chose, vous rencontrez quelqu'un et vous lancez une nouvelle relation qui va certainement se prolonger assez longuement, ou peut-être que vous initiez un nouveau projet qui va durer dans le temps, ou peut-être vous vous engagez dans une nouvelle profession que vous allez exercer pendant un certain temps. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui nous indique que ce nouveau départ vous permet de prolonger quelque chose et d'aller vers beaucoup plus de stabilité et de faire ce fameux lien entre le terrestre et le céleste. C'est ce que fait notre pape. Notre pape relie les choses sacrées aux choses matérielles du quotidien. Donc on sent ici que cette passion va vous permettre de mettre en place des choses de telle manière où vous allez retrouver vraiment une certaine unité entre le spirituel et le matériel, entre les choses qui vont durer dans le temps et les choses qui vont se construire progressivement. Parce que qui dit construire quelque chose dans la durée, dit la progressivité. Donc ce nouveau départ, pour dire les choses beaucoup plus simplement, ce nouveau départ porte en lui un engagement sur le long terme. Il y a le potentiel d'un engagement qui va durer dans le temps, quel que soit l'engagement dans lequel vous vous situez. On voit que pour vous, le défi va être en fait ce 3 de bâton. 3 de bâton nous dit ici qu'effectivement, pour vous, le défi, ce sera de laisser quelque chose dans le passé. Donc, qui dit laisser quelque chose dans le passé dit il faut faire un choix et se tourner vers cette as de bâton comme ce personnage ici qui tient par la main un seul des bâtons et les deux autres il les a laissés dans le passé. Et je pense que c'est lié ici à des regrets, à votre passé, parce qu'on a ici le 5 de coupe, 5 de coupe qui nous dit même si le personnage physiquement est de l'autre côté, donc a quitté une situation, a laissé de côté quelque chose, le personnage n'a pas encore mentalement et émotionnellement abandonné et quitté cette situation. On voit ici
que vous avez ces trois coupes, il se désespère de ces trois coupes, il se désespère du renversement de ces trois coupes, de tout ce qu'il a perdu, et il ne voit pas du tout ces deux coupes, c'est-à-dire l'avenir qui se dessine devant lui. Et c'est-à-dire, il ne voit pas ce fameux as de bâton et cet engagement qui se profile, qui porte en lui le potentiel de cet engagement qui se profile sur le long terme. Donc ici, pour vous, le défi au mois de décembre sera vraiment de quitter votre passé définitivement et de vous tourner vers ces deux coupes. Et je pense, parce que vous n'arrivez pas encore à quitter ce passé, c'est lié à ce 3 d'épée. 3 d'épée qui nous dit qu'il y a une blessure qui est difficile à faire cicatriser. Une blessure qui est difficile à quitter, à oublier. Donc vous allez faire un travail, j'imagine, ou en tout cas vous allez être amené à faire un travail au mois de décembre pour justement quitter cette blessure, pour cesser en fait de vous apitoyer sur votre sort ou sur le sort des autres, c'est-à-dire à regarder avec désespoir la perte de ces trois coupes et vous tourner vers ces deux coupes et la promesse d'un engagement nouveau dans la passion et dans la clarté, parce que ici au dos de deck vous avez l'as d'épée. L'as d'épée qui nous indique quoi ? Qui nous indique ici qu'effectivement il y a un nouveau départ, non seulement dans l'action, mais aussi dans l'esprit, dans le mental. On voit ici la clarté. Donc vous allez certainement en mois de décembre prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et comme vous allez prendre conscience d'un certain nombre de choses, vous allez avoir des éléments de compréhension qui vont vous permettre de cicatriser cette blessure, de cicatriser et de quitter cette souffrance et ces regrets du passé pour vous tourner vers ces deux coupes, pour laisser dans le passé vos regrets et pour aller vers ce fameux bâton, c'est-à-dire l'as de bâton qui a en lui le potentiel d'un engagement sur le long terme. On voit que ce qui va vous aider, c'est votre réseau. Vous avez ici le 3 de coupe. 3 de coupe nous dit n'ayez pas peur de sortir, n'ayez pas peur de retrouver vos amis, votre famille, des gens. N'ayez pas peur de célébrer ce nouveau départ. Allez célébrer ce nouveau départ parce que c'est ce qui va vous permettre de vous détacher de ces regrets, c'est ce qui va vous permettre de quitter ces regrets et c'est ce qui va vous permettre de vous tourner vers un nouveau départ. Et ça va vous permettre de travailler, puisque je parlais tout à l'heure de travail, ça va vous permettre de travailler, donc puisqu'on a le 8 de deniers ici, de travailler sur cette souffrance, sur ces regrets que vous pouvez avoir du passé, et ça va vous permettre de quitter certaines choses pour aller vers un nouveau départ prometteur d'un engagement sur le long terme. On voit que vous vous dirigez vers une énergie très sympathique qui est le fou. Le fou est une énergie qui nous dit qu'on retrouve la confiance en soi, on retrouve la légèreté de la vie, on retrouve le soleil, l'illumination et tout simplement on retrouve la confiance en soi, en les autres et en la vie. On retrouve la confiance dans l'abondance, dans notre capacité à être créateur d'abondance. Et ça va vous permettre de quitter ce fameux 9 d'épée, cette 9 d'épée qui nous indique qu'on est dans la mentalisation, dans l'angoisse, dans des regrets, dans la recherche perpétuelle de compréhension de quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à saisir par le mental. Donc ici on vous dit, laissez de côté cette envie de comprendre mentalement, sortez, détachez-vous du passé et de la relation ou des choses qui vous angoissent. Et ça va vous permettre en fait de retrouver la clarté de l'esprit avec cette as d'épée. Ça va vous permettre de quitter ce 3 d'épée, c'est-à-dire cette souffrance et cette blessure que vous n'arrivez pas à faire cicatriser. Et ici, ça va vous permettre de vous diriger vers l'as de bâton et ce fou, c'est-à-dire de retrouver la confiance et la légèreté dans votre vie de tous les jours et dans votre avenir. Parce que là, on est au début d'un nouveau cycle, d'un nouveau processus dans votre vie, c'est-à-dire on est face à une nouvelle étape de votre vie où il n'y aura plus ce côté angoissant et ce côté stressant que vous pourriez connaître ou que vous avez pu connaître.
C'est parfait. On conseille, on vous dit 10, c'est-à-dire la roue de la fortune. La roue de la fortune est un arcane majeur. Et on nous dit ici quoi? On nous dit c'est faites confiance à la vie. La vie va vous justement permettre d'initier et de démarrer quelque chose de nouveau. Donc la vie va vous conduire à faire quelque chose de nouveau et potentiellement prometteur d'un engagement sur le long terme. Donc faites confiance à la vie, saisissez les opportunités que la vie placera sur votre chemin, n'ayez pas peur de la nouveauté parce que rien n'est permanent ici-bas. La seule permanence est l'impermanence, c'est-à-dire le changement, c'est-à-dire l'évolution. On a ensuite le valet de bâtons, ça veut dire, là on est vraiment dans les bâtons. Ici on vous invite vraiment à passer à l'action, à faire quelque chose, à sortir de ces projections et de cette mentalisation de ce 9 d'épée pour mettre en place des processus et surtout un travail où vous allez retrouver la joie et la vie, la simplicité de la vie et de la simplicité d'être avec les autres. Donc n'ayez pas peur de vous saisir de ce fameux bâton, c'est ce que fait le valet de bâton. Il débute, il initie quelque chose, il est un apprenti, il ne connaît pas toutes les procédures, il ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, il ne maîtrise pas pleinement les choses parce qu'il apprend, il apprend en cours de route, il apprend sur le tas, mais il n'a pas peur d'initier, il n'a pas peur de passer à l'action, il n'a pas peur de faire. Et donc ici, c'est exactement ce qu'on vous dit, n'ayez pas peur, mettez-vous au travail. Et ici, on a le 6 d'épée qui nous dit partez, quittez, n'ayez pas peur de partir et de quitter ce rivage, je pense, des regrets, ce rivage du passé. N'ayez pas peur de regarder devant vous, vers votre avenir, vers ces deux coupes, vers les as que vous avez ici, et laissez dans votre passé toutes ces blessures et ces souffrances que vous avez pu ressentir ou que vous ressentez actuellement. Donc dirigez-vous davantage vers la joie et l'amitié et votre entourage. Et ici on a le 5 de bâton, le 5 de bâton qui nous dit battez-vous pour ce qui compte pour vous, n'ayez pas peur de vous battre pour ce qui est important, n'ayez pas peur des conflits parce que après tout c'est les conflits et les contradictions qui font que on change les choses et on modifie les choses et on a une autre approche des choses. Alors, qu'est-ce que nous avons comme conseil de la part de notre oracle pour nos amis lions? On a le pendule. Le pendule qui nous dit « Mes arabesques vibrent au son de vos vérités, parfois insoupçonnées. » Et là, je pourrais faire le lien avec ce que nous avons dit précédemment, c'est-à-dire le 5 de coupe. Vous ne soupçonnez pas encore tout le potentiel qui vous attend. Ces deux coupes, elles portent en elles vraiment du potentiel émotionnellement très très riche et surtout un engagement sur le long terme, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre d'initier une nouvelle étape de votre vie. N'ayez pas peur de ce changement, saisissez les opportunités que la vie place sur votre chemin parce que ce sera vraiment porteur en soi de nouveautés pour vous, vous permettant de quitter quelque chose qui n'est pas satisfaisant et surtout qui est émotionnellement assez difficile et compliqué pour vous. Donc, pour conclure tout simplement, ici on vous conseille de regarder de plus près tout le potentiel que vous portez en vous, c'est-à-dire tout le potentiel qui se présente dans cette nouveauté, dans ce nouveau départ, dans l'initiation de ce nouveau cycle dans votre vie. Alors, qu'avons-nous sur la vie sentimentale émotionnelle? On nous dit l'ajournement. L'ajournement, peut-être que ici, dans votre vie sentimentale, il y a des choses qui vont prendre un peu de retard, qui ne seront pas pleinement présentes immédiatement au mois de décembre. Donc il y a des choses qui ne vont pas avancer aussi rapidement que vous aimeriez, ou ça n'ira pas exactement dans le sens que vous souhaitez, mais dites-vous que ce n'est
que remis à plus tard, puisque l'ajournement veut dire qu'on remet les choses à plus tard, ce qui veut dire qu'on pourra les relancer. Et je pense que l'ajournement est justement conditionné par cette blessure et ce passé que vous n'arrivez pas à quitter. On ne peut pas pleinement se concentrer sur une nouvelle relation, sur construire quelque chose de nouveau émotionnellement, si on n'a pas réussi pleinement à quitter quelque chose qui nous a fait mal et à quitter ces fameux regrets. Et peut-être que ce ne sera pas pour le mois de décembre ce que vous souhaitez mettre en place, mais dites-vous que vous avez vraiment un tirage très prometteur, mais qui vous demandera encore un peu de travail pour saisir les opportunités de la vie et saisir ce nouveau départ, ce nouveau cycle, une nouvelle étape dans votre vie. Voilà, chers amis Lion, je vous dis à très bientôt. Merci de votre visite et prenez bien soin de vous.